être vulnérable. On dirait que souvent, on associe être vulnérable à quelque chose qui nous rend faible. Puis j'ai l'impression qu'au contraire, c'est quelque chose qui nous rend vrai. C'est quelque chose qui nous rend beau. C'est quelque chose qui nous rend purement et simplement vrai. Puis ce qui est beau, justement, dans le fait d'être vulnérable, c'est le fait qu'on est toutes vulnérables dans différentes sphères de notre vie. Ça fait un mois que j'ai contacté une quinzaine de YouTubeurs pour participer à ce projet-là. Puis chaque personne a dit oui sans hésiter. Les gens se sont ouverts pour de vrai. Puis des fois, c'est pas facile de montrer quelque chose qui nous rend vulnérable, quelque chose qui nous rend fragile au grand public. Surtout quand tu fais un métier justement public, je trouve juste qu'on gagne à être plus vrai en fait sur nos réseaux sociaux. Ok. Je m'appelle Marie Gagné, j'ai 24 ans. Mon plus gros complexe, ça a toujours été ma taille. Le fait que j'aille pas de courbe nécessairement. Depuis que je suis au secondaire, je me suis toujours fait dire « Ah Marie, t'as pas assez de courbe. Ah Marie, tu devrais aller manger un burger. » Fait qu'à force de se faire dire ça, tu le crois. Puis quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais tellement petite, je trouvais que je fitais pas dans le moule de la société, qu'il y a des courbes, on voit les femmes qui ont des seins, qui ont des fesses. On parle beaucoup de fat shaming, les gens qui jugent les personnes qui font un peu dans le bon point, mais se faire dire qu'on est vraiment trop petit, trop maigre, qu'on est un tas d'os, c'est quand même complexant aussi. Ça peut créer des énormes complexes. Moi, c'est Kate. J'ai 23 ans. Mon complexe, ça serait la sexualité. Je pense que je me sens un peu comme si je suis pas autant que certaines autres filles quand je suis au lit avec un garçon, parce que ça me pèse, parce que je sens que je suis vraiment rendue au stade d'avoir l'opération finale, la vaginoplastie. Puis ça me travaille énormément. Donc, je pense qu'au lit, c'est très dur avec moi de gagner ma confiance. Donc, je pense que ma sexualité, vraiment, ça serait mon complexe à moi. Salut! Je m'appelle Roxane Bruno, j'ai 28 ans. Fait que physiquement, mon pire complexe, c'est sans aucun doute mes boutons. Là, ça paraît pas parce que mon complexe est tellement rendu intense que je me maquille. Oui, vous avez bien entendu. Quand je tourne des vidéos comme aujourd'hui, ou quand je tourne des vidéos chez moi, ou quand je fais des spectacles ou des entrevues, c'est sûr et certain que je me beurre parce que j'assume pas tant mon acné. Parce que quand j'étais ado, j'avais zéro bouton. Mon acné est vraiment causé par le stress. De là, mon deuxième complexe, l'anxiété. Je vis avec ça tous les jours de ma vie, pour toutes les situations. Je te dirais qu'avant, venir chez Cass tourner cette vidéo-là m'aurait rendue anxieuse. Aujourd'hui, non, parce que je travaille là-dessus. Je suis en thérapie, même. Je pense que j'ai jamais dit ça. Je vois un psy pour ça. Travailler mon anxiété, parce que sinon je survivrais pas avec le métier que je fais surtout. Donc c'est ça, je suis très très anxieuse. Je m'appelle Kevin Narki, j'ai 31 ans et je vois un psy pour mon anxiété et ma grande tendance à culpabiliser pour n'importe quoi. Quand Cassandra m'a approché pour me demander si j'étais prête à parler d'une insécurité ou de quelque chose qui me rendait vulnérable devant la caméra, j'ai tout de suite dit oui parce que je crois que je sais que ça peut aider du monde, surtout dans ma situation, puis avec mon background de policier, qui est un domaine de macho, où ce que montrer ses émotions, puis ses faiblesses, puis sa vulnérabilité, est quelque chose qui est pas du tout, comment je pourrais dire, c'est difficile de montrer que t'es vulnérable dans la police, alors qu'on t'enseigne à faire le contraire, dans le fond, à toujours être plus qu'exemplaire, être plus fort que les situations. Puis mon anxiété a juste continué à s'accumuler, puis je suis arrivé à un point de genre de rupture. J'ai fait ma première crise d'anxiété cet été. J'ai eu une espèce de point ici tellement fort, je voulais appeler l'ambulance. J'étais sûr de faire une crise cardiaque, j'étais sûr de mourir. Pas vrai que cette anxiété-là va me tuer. Puis il me faut de l'aide. Peut-être qu'une aide professionnelle allait pouvoir m'aider à préciser exactement ce que j'avais. La santé mentale, là, des fois, là, tu vas avoir l'impression que le problème, là, c'est un gros nuage épais de problèmes, mais finalement, plus que t'en parles, plus que ça se précise, puis surtout avec un professionnel, là, tu te rends compte que bon, le problème, il est là, c'est un petit point, c'est pas un gros nuage, et donc, ça fait environ un peu plus qu'un mois que je vois un psy pour mon anxiété,
mon intense tendance à culpabiliser, le fait que quand je rentre dans une place publique, je suis sûr que le monde m'aime pas. Dans le fond, tout est lié au fait, la peur de l'abandon, puis le fait de vouloir être aimé de tout le monde. Je m'appelle Gabrielle Marion, j'ai 26 ans, et puis moi, en fait, la chose que je déteste de moi, un peu, si je peux dire ça comme ça, c'est vraiment la vision que j'ai de moi-même. C'est bizarre à dire, mais tu sais, moi, je suis une femme trans, je vis avec une dysphorie de genre, et je vis avec une dysphorie corporelle en même temps, je dirais que ça vient pas mal ensemble. Puis même aujourd'hui, même si je suis complète à 300%, pour moi, il y a toujours la réflexion de moi-même qui est un peu distorsionnée. C'est un peu difficile à penser parce que selon vous, probablement, qui n'arrête pas de dire, admettons que je suis si belle, que je suis si ci, que je suis si ça, moi, jamais je vais me voir de cette façon-là, jamais je vais me voir d'une façon dont vous me voyez. Je me vois en fait toujours comme un peu avant. J'ai beau avoir dépensé tout l'argent du monde, avoir tout changé ce que je pouvais changer, il y a toujours un résidu de la personne que j'étais avant qui reste dans ma mémoire. Fait que quand je me regarde, j'ai toujours un petit dédain de plein de choses. Je pense que jamais je vais oublier cette partie-là. Je pense que je vais jamais me voir comme les autres me voient. J'aimerais ça être satisfaite de la personne que je suis à l'extérieur, que ça reflète vraiment qui je suis à l'intérieur, mais en même temps, on dirait que je serais jamais 100% satisfaite. Allô, mon nom est Jessie Nadeau et j'ai 27 ans. Dans le fond, j'ai su récemment, j'ai eu le diagnostic que j'ai un trouble de déficit d'attention. Je m'en doutais depuis plusieurs années, mais on dirait que je repoussais tout le temps ça. Puis le neuropsy m'a décrit ce qui se passait dans ma tête, dans mon cerveau. Puis j'ai vu que dans le fond, j'ai un TDA, puis que mon cerveau n'est pas comme les gens normaux. Mais c'est quoi être normaux? Mais bon. On dirait que de savoir que j'ai un TDA, c'est comme si c'était la pointe de l'iceberg qui a fait remettre en question qui j'étais, comment j'étais, puis Par rapport à la pointe de l'iceberg, c'est que dans le fond, souvent dans ma vie, je me sentais quand même, je me trouvais lunatique, je me trouvais incomprise, différente, parce que j'étais hors norme, la façon que je vois les choses, la façon que je pense. J'étais une perdue, une mêlée, une bizarre. J'ai souvent eu l'impression qu'il fallait que je mette plus d'énergie puis plus d'efforts pour faire quelque chose qu'une personne normale aurait pu faire. Puis, en parlant de tout ça, je comprends aussi que souvent on dirait que je me sentais pas en mesure de faire qu'est-ce que je voulais faire, d'accomplir mes buts. Puis j'essaie de compenser. Je sais pas si c'est en lien avec mon TDA, j'en ai aucune idée. C'est peut-être aussi un manque de confiance qui vient de plus loin, que j'ai travaillé puis que je travaille encore là-dessus. C'est peut-être un mix de tout ça, mais ça fait en sorte que j'ai l'impression que des fois, c'est un handicap carrément. Je veux pas passer à côté de des belles opportunités, des beaux projets, parce que mon cerveau, il est pas comme je voudrais qu'il soit. Qu'il fonctionne comme je voudrais qu'il fonctionne. Moi, c'est Cindy Cournoyer et j'ai 25 ans. Moi, vous savez, ou peut-être pas, dans le fond, parce que c'est pas ma chaîne. J'ai été adoptée. Puis j'avais 3 mois et demi. Je pense pas que j'ai des grosses séquelles par rapport à ça parce que justement, je suis tellement ouverte d'en parler. Mais ça reste que j'ai toujours peur qu'on me quitte. Ouh! Heureusement, j'ai vraiment un chum qui est là pour moi puis que j'ai jamais ressenti qu'il allait me quitter. Je prends personne pour acquis. Mais je veux pas aussi, j'ai perdu mon père d'un cancer. Puis je suis pas full proche de ma famille. Donc, ça fait ça fait en sorte que j'ai peur qu'on me quitte. J'ai peur que comme d'être délaissée. Je fais tellement attention aux gens autour de moi, puis j'aime ça donner, j'aime ça rendre les gens heureux. Mais j'ai toujours cette peur-là. Je pense que c'est ma plus grande peur, de perdre vraiment quelqu'un que j'aime, puis tout ça. Je m'appelle Simon Leclerc, j'ai 28 ans. Je suis chauve. Voilà. Et là, juste d'avoir fait ça, je me trouve extrêmement courageux. Puis aussi con que ça puisse paraître, tu vas dire c'est juste des fucking cheveux. Ça joue sur une confiance en soi qui est beaucoup plus grosse qu'on pense. J'ai eu énormément de misère dans les 3 dernières années à m'accepter. Je sortais moins, je voyais moins des amis. J'ai tout le temps été dans des événements avec des tuques, des chapeaux, des casquettes. C'est con parce qu'au final, je me suis bloqué sur des trucs. Je me suis mis à moins m'aimer. Je me suis mis à moins aimer mon corps. Je me suis mis à me trouver laid. Ça devient un problème parce que je le cache, ça devient un problème parce que moi, j'en fais un problème. Je te donne une idée, je stressais, là, à des événements, pas de casquette, je pense que je regrettais tout le long que je m'en allais à l'événement. Je me demandais si je revenais pas tout de suite chez moi pour aller me chercher une casquette.
Je m'appelle Florence Lavoie, j'ai 23 ans maintenant. Mais moi, ma plus grosse blessure, c'est vraiment ma rupture. Ça a été une épreuve vraiment difficile que j'ai vécue en 2017, qui m'a pris du temps à passer par-dessus, puis à me reconstruire. Puis maintenant, je me suis vraiment reconstruite comme de A à Z. Puis le fait de m'avoir reconstruite, je trouve que ça a apporté énormément de positif. Mais on dirait que j'ai comme bring it up to the next level. Puis c'est ça qui est en train, on peut dire, de me nuire, parce que j'ai vraiment de la misère à m'ouvrir amoureusement, puis juste de façon comme relationnelle, mettons avec des gars ou peu importe, en amour. Chaque petit red flag me ramène juste comme dans les mauvais souvenirs de comme, mettons, mon ancienne relation. Mais c'est ça, même si je me suis complètement remise de cette rupture-là, puis que, tu sais, je m'ennuie pas de la personne ou peu importe, puis que je sais que je suis vraiment mieux et bien sans elle, c'est quand même une douleur qui va toujours rester, puis des mots que, en tant que femme et en tant que juste être humain, des fois tu peux pas oublier. Puis je pense que je fais ça aussi en me protégeant, parce que j'ai pas le goût de me faire blesser encore une fois. Puis des fois, même si tu le sais que t'sais, des fois les gens disent des choses juste pour être méchantes, ben les mots ça reste, puis il y a des choses qui ne s'oublieront jamais. Je m'appelle Laura Gabrielle, j'ai 22 ans. Je me considère très insécure. C'est juste en général, c'est comme un sentiment qui s'éteint jamais chez moi. On dirait que je me sens jamais assez, je me compare beaucoup. Je suis rarement satisfaite de ce que je fais, de ce que j'ai l'air ou de ce que je suis. Physiquement, mon front est trop grand, mon nez a une courbe, mon ventre n'est pas assez plat, mes cheveux sont pas assez épais, tout! Je suis capable de me dénigrer facilement. Puis c'est fou avec les influenceurs, parce qu'on se prend en photo tout le temps, puis peut-être qu'on a l'air de dégager de la confiance, mais c'est pas parce qu'on sourit en photo qu'on s'aime énormément. C'est sûr que mes relations amoureuses, c'est quelque chose qui m'a rendue énormément insécure. Je me suis fait niaiser, je me suis fait mentir, je me suis fait jouer dans le dos. J'ai vécu pas mal de choses qui m'ont rendue extrêmement triste. On dit souvent « we get the love we think we deserve ». Puis je pense que ça m'en dit long sur comment je me perçois, puis sur mon estime de moi. Je m'appelle Cassandra Bouchard, j'ai 25 ans. Et j'ai eu en masse le temps de me questionner, à me demander qu'est-ce que moi, j'aurais envie de parler dans cette vidéo-là, qu'est-ce qui me rend vulnérable. La première chose qui m'est venue en tête, c'est pas elle que j'aurais envie de parler, mais on dirait qu'à chaque fois que j'y repense, puis je me dis de quoi je pourrais parler, c'est tout le temps ça qui me vient en tête. Puis je pense juste qu'en ce moment, ça fait vraiment, vraiment partie de ma vie, puis c'est vraiment plate, mais c'est vraiment ça. Puis je pense juste que il faut que je m'écoute, si c'est ça que j'ai envie de parler, c'est ça que je vais parler. Mais c'est la relation que j'entretiens avec mon poids, vraiment. Je trouve que dans la vie, on a tendance à être tellement notre pire ennemi. Puis en ce moment, je me trouve dégueulasse parce que je me regarde dans le miroir puis je m'haïs. Puis j'ai l'air d'une fille sur les réseaux sociaux qui est donc bien vraie, qui s'en calisse. Mais je pense que c'est un mécanisme de défense que je me suis développé avec le temps, justement, parce que j'ai l'impression que je suis tellement ma propre ennemie que je veux pas laisser l'opportunité à personne d'autre de me pointer du doigt comme je le fais, genre. En fait, ce qui fait en sorte que j'ai pas envie de parler de ça, c'est le fait que je me sens tellement imposteur dans ma situation, parce que je le sais que je suis pas grosse, je le sais que c'est vraiment pas la fin du monde, puis comme ça me travaille à tous les jours, je me regarde dans le miroir, puis je me trouve laide, puis je me trouve grosse, puis je me dis, on dirait vraiment que ça vient par moments, tu sais, des fois, je me regarde dans le miroir, puis comme, j'arrive à voir vraiment ce que j'apprécie, puis des fois, il y a des moments, comme en ce moment, que je me sens personnellement vraiment, vraiment très, très vulnérable, parce que je sais que j'ai pris du poids, je sais que je mange pas bien, je sais que je bois beaucoup en ce moment, puis à chaque fois que je me regarde dans le miroir, ou que j'essaie une paire de pantalons qui me fait plus, genre, je me dis, hostie, t'es laide, genre. Pis c'est terrible d'avoir ces pensées-là, parce que c'est pas vrai. Je trouve juste que dans la vie, est-ce qu'on est bon pour être notre pire ennemi? J'appelle Amélie Barbeau, puis j'ai 24 ans. Moi, en fait, je n'assume pas d'être YouTubeuse, malgré que ça fait depuis 2011 que je suis sur YouTube. Je sais pas, j'ai tellement de questions, ça m'énerve tellement, j'ai de la misère vraiment à assumer que je suis YouTubeuse, puis en même temps, on dirait que je commence à m'essouffler un peu sur tout ça. Tu sais, ça fait depuis 2011, fait que là, on est rendu en 2019. On dirait qu'en même temps, d'un côté, c'est comme si je connais rien de ce qu'est ma vie sans YouTube. On dirait que je me souviens pas une vie sans YouTube. On dirait que j'aimerais ça savoir ce serait quoi ma vie s'il y avait pas tout ça. J'aurais juste le goût de
de plus m'assumer, mais je pense que je sais même pas comment faire. Pour vrai. On m'avait pas prévenu que YouTube serait difficile sur la personne. C'est ma chaîne YouTube, c'est moi, c'est mes idées, c'est du contenu qui parle que de moi, tout le temps. Fait que c'est sûr que quand il y a des commentaires, ça peut m'affecter. Si les vues, les likes commencent à baisser, ben là c'est comme, c'est à propos de moi, est-ce que les gens m'aiment moins, est-ce que je suis rendue inintéressante, est-ce que je suis plate, est-ce que... C'est toujours des questionnements à propos de moi, puis c'est comme plein de petites choses qui font en sorte que ça m'aide pas à assumer ce rôle-là. Plus on dirait que mon futur approche, si on peut dire, plus je me dis « Oh my god, qu'est-ce que je fais? Je suis où? Je suis qui? » C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Catherine Beach, 24 ans. Moi, ce qui me rend vulnérable. Il y a beaucoup de trucs, en même temps de rien, parce que je pense que j'étais une carapace, ça dépasse, qui me fait vivre dans le déni de tout ce qui me rend vulnérable. Mais si j'ai à m'ouvrir sur une affaire, c'est vraiment là. C'est bizarre, là, mais c'est la peur d'être en dépression. Là, tu dis quoi? Attends, je t'explique. Catherine Peach en dépression. Mais justement, on dirait que la sortie d'OD a tellement été intense que j'ai eu le plus grand flow de up and down de toute ma vie. Mais moi, ma vie, là, mon bonheur était là. Puis ça allait bien. Puis là, j'ai connu plus des downs, puis des ups, puis des downs, puis plus t'es up, plus t'es down. Fait qu'on dirait qu'il y a des journées que je me suis dit, hey, pour la première fois de ma vie, je le ressens ce vide-là. Puis après, je vais me coucher, puis le lendemain, il n'est plus là. Mais il y en a que chaque matin se lève avec ce creux-là. Puis moi, je l'ai vécu autour de moi, que ce soit dans ma famille, que ce soit des amis, que j'ai vu leur regard plein de papillons, plein d'étoiles. Presque du jour au lendemain, devenir vide. Je suis tellement intense dans la vie que, justement, des fois, tu vis du stress, 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 puis à un moment donné, tu t'éteins. Puis je pense que ma pire crainte, ce serait de m'éteindre un jour parce que, justement, la raison pourquoi je suis connue, c'est que je suis la plus bobby de la gang. Donc, en plus d'être en dépression, je perdrais mon identité. Fait que, là, c'est deep, mais mon insécurité, c'est que j'ai jamais dit. Ce que j'ai le plus peur, c'est de perdre ça. Qu'à un moment donné, je me réveille et je sois juste un adulte qui voit tout gris. Parce que de plus en plus, je vois des journées où, qui sont comme plus grises. Ce crash-là, qui est possible puis qui est à ma porte, c'est probablement ça qui me fait le plus peur. Puis c'est comme si, à cause que je suis moi, j'ai pas le droit d'avoir une journée deep. Autant sur mes réseaux, autant sur mes proches, autant... Voyons, quand il y a de la peine. Voyons, quand il file pas aujourd'hui. Mais même moi, je suis genre, voyons, je file pas aujourd'hui. OK, on y va, let's go. Mais des fois, le moteur a de la misère à ouvrir, mais il finit toujours par ouvrir. Mais si à un moment donné, ce moteur-là pourrait pas partir... Je m'appelle Emma, j'ai 23 ans. Il y a quelques années, je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, un peu moins en ce moment. Mais quand j'ai commencé, j'avais 18-19. Puis j'ai commencé sur YouTube comme sans m'attendre à rien. En fait, je regardais des YouTubeuses américaines puis j'essayais de faire à peu près la même chose. Puis ma chaîne a explosé en pas très longtemps. J'ai eu beaucoup d'abonnés d'un coup. Puis c'était un mode de vie vraiment, vraiment intense. J'étais vraiment contente puis reconnaissante sur le coup. Puis à un moment, j'ai commencé à me sentir un peu moins bien dans tout ça parce que je réalisais à quel point ma vie avait beaucoup changé qui tournait autour de ça. Autant que il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube qui vivent vraiment bien avec ce côté-là. Mais moi, je pense que j'avais vraiment du mal, là. Ça me remettait tout en question. Puis j'étais comme, je ressens tellement de pression. Puis est-ce que j'aime vraiment ça, dans le fond? Puis au même moment, je vivais une sorte de burn-out parce que il se passait beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Puis plusieurs autres choses aussi dans ma vie qui ont fait en sorte que ça a comme beaucoup affecté ma santé mentale. Je pense que je glorifiais beaucoup. Puis en tant que société aussi, on le fait. C'est de prioriser le travail, l'argent, puis les projets, puis ça fonctionnait ce que je faisais, donc j'avais vraiment pas le goût d'arrêter, j'avais pas le goût de refuser des offres, de... C'est fait que je voulais juste continuer jusqu'à ce qu'il y ait un moment où, tu sais, quand tu prends pas soin de ta santé mentale, ben ça s'accumule, puis j'allais vraiment, vraiment pas bien. Fait que ça m'a pris du temps avant de réaliser que, tu sais, il faut pas attendre qu'il y ait comme un effet boule de neige qui se fait, puis là, tu sais, un burn-out suit un autre problème et un autre problème, puis ça finit par prendre tellement d'efforts à aller mieux, comme s'occuper de sa santé mentale, c'est un petit peu tout le temps. Puis je pense qu'à ce moment-là, je me suis pas écoutée, puis si j'avais un conseil à me donner à ce moment-là, ce serait de penser un peu plus à moi, puis un peu moins de comme mettre de l'importance sur ce que je pense qui est important dans la vie, parce que ben, la priorité, ce sera toujours de faire
attention à soi. Je m'appelle Gloria Bella, j'ai 19 ans et ce qui me rend vulnérable, c'est ma peur de ne pas être aimée. En fait, j'ai toujours peur de décevoir les gens en étant moi-même. Fait que j'essaie souvent de m'adapter aux gens pour que les gens m'aiment parce que j'ai pas assez confiance en moi pour me dire que l'amour que je reçois de mes proches, c'est ce que je mérite. Dans toutes les relations que j'ai toujours peur que la personne, je fasse une affaire de trop puis que la personne fasse comme « Ih, Gloria est bizarre » ou genre « Gloria est lourde » ou « Gloria est trop anxieuse » ou « Gloria est trop ci, trop ça ». J'ai tout le temps l'impression que les gens, ils vont dire des trucs dans mon dos, comme que les gens, ils vont faire semblant de m'aimer. C'est vraiment quelque chose qui me hante dans mes relations. Écoute, ça va probablement être quelque chose que je vais travailler toute ma vie, mais un jour, j'ai confiance que je vais être capable de surmonter cette peur-là de pas être aimée par les gens que j'aime. Je m'appelle Lucie Réaume, j'ai 20 ans. Ce qui me rend vulnérable. Il y a plusieurs choses qui me rendent vulnérable. Je dirais que ce qui me rend le plus vulnérable, ben c'est définitivement mon père. La relation que j'ai eue avec mon père pis tout. Mes parents ont toujours eu une assez grande différence d'âge qui faisait en sorte que mon père était plus âgé. Puis ce qui a fait en sorte que quand j'étais jeune, sa santé allait super bien, tout allait super bien. Et puis tout d'un coup, quand tu vis, souvent ça prend juste d'un coup d'une année à l'autre, tout ne va plus bien. C'est ce qui est arrivé avec mon père, donc j'ai vraiment vu sa santé se dégrader devant mes yeux, devant moi. Quand j'étais jeune, on pouvait vraiment faire plein d'activités ensemble, on faisait plein de trucs vraiment, vraiment cool ensemble. J'ai vraiment eu une super belle enfance, honnêtement, avec ma famille pis tout. J'ai rien à reprocher à ça pis j'ai rien de négatif à dire à ce niveau-là. On dirait que c'est comme qu'en plus je suis arrivée au secondaire, là tout d'un coup, ben, mon père vieillissait pis il allait de moins en moins bien pis je voyais qu'il n'y avait plus nécessairement la force de faire tout ce qu'on faisait avant pis éventuellement mon père est décédé. Puis j'essaie d'accepter cette situation, puis d'accepter ça. Puis graduellement, ma perception de tout ça, puis mes émotions face à la perte de mon père changent. Mais je veux pas, c'est quand même quelque chose que, je sais pas, qui me fait beaucoup de peine. Il faut se rappeler qu'on est tellement toutes beaux puis belles, peu importe nos différences. Puis nos différences, c'est ce qui nous rend uniques. Je suis fière d'avoir été capable de m'accepter, d'avoir accepté mon corps. Un coup que tu me connais, ma personnalité prend tellement plus d'ampleur que tout le reste. C'est correct des fois de se sentir différent, d'être différent. C'est correct. Après n'importe quelle dure épreuve de ma vie, je suis tellement capable de me relever. Puis ça, je suis tellement fière de moi pour ça. C'était finalement l'arme la plus efficace que je possédais. C'était mon humour, c'était de faire rire, de transformer un sujet négatif, puis de juste l'amener d'une façon positive. Mais en général, je pense que j'ai une belle joie de vivre, puis que je suis assez positive. C'est quelque chose qu'on me dit souvent, je pense que c'est une de mes belles qualités. Juste d'être positive, d'aimer la vie. Je suis tellement fière de ce que j'ai accompli. Tout truc négatif, ça nous apprend des choses aussi, puis je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment appris à écouter comment je me sentais. J'ai pas laissé cette situation qui est vraiment, vraiment triste me ralentir dans la vie. Puis je pense qu'il faut se rattacher à des petites pensées comme ça en disant « Hey, tu sais quoi, si tout va mal, là, moi j'ai ce plan-là. Puis ben, moi, mon plan, c'est de vendre la crème glacée à Hawaï avec un chien, ben gars, je te dirais que ça, on s'en reparle. » De faire en sorte que je sois une meilleure personne chaque jour que j'étais hier. Fait que je me pardonne plus qu'avant. Peu importe ce que l'avenir me prépare, au moment où je serai rendu là, je saurai y faire face. Ça, c'est important de tout se dire ça. Puis merci, Cass, pour cette vidéo-là. Je pense que tu vas aider un paquet de petites filles. Puis comme je le répète toujours, t'es la meilleure grande sœur du web pour toutes ces jeunes-là. Puis je suis extrêmement reconnaissante d'être entourée de personnes dans mon milieu qui sont autant inspirantes. Je trouve ça vraiment important qu'on soit capable d'être transparent avec vous, d'être honnête. On a toutes des vulnérabilités, on a toutes des insécurités, on a toutes des moments où est-ce qu'on est super angoissé, on a toutes des complexes, puis je pense que c'est juste bon de les accepter puis d'en parler. Je veux juste prendre le temps de dire un gros merci à tout le monde dans ma vidéo qui a accepté sans hésiter, qui s'est déplacé puis qui s'est mise à nu. Je trouve que en ayant accepté mon projet, vous m'avez offert un cadeau immense. Le cadeau d'avoir l'opportunité de pouvoir partager au monde entier à quel point que vous êtes beau, puis à quel point qu'on est vrai, puis à quel point qu'être vulnérable,
Christ que c'est beau, man. Je pense qu'être vulnérable, au fond, c'est juste faire preuve de courage pour être soi-même. Puis ce qui est beau, ben, c'est qu'on est toutes vulnérables. Toi, moi, tout le monde. On est toutes vulnérables.